Ouais, crime sur les Golf Legends, last it. Voilà, là c'était vraiment. C'était tant de doudou coup. C'était bien tendu. Un beau match. Et là nous allons avoir. King Doe contre l'ami Bozia. Pour une jolie petite loser finale qui va se faire. Qui va se dérouler sous nos yeux ébahis. T'inquiète, qu'est-ce que t'as fait? Ah là là, je ne sais pas. Qu'as-tu fait donc, Ek? Allez, Ek, viens donc. Qu'as-tu fait? Réponds à Megamorse. Ah, une réponse courte de la Mead. Il fait rien faire contre mon poulain. Voilà. Ah, Sonic NES, intéressant. Assez dommage, malheureusement. Malheureusement, on n'aura pas l'incroyable personnage sexy d'Adidou à l'écran. Nous aurons à la place un sale gosse. Bobby, il est en. Moi j'ai envie de rester parce que c'est ma console. Hop, side B, petit fer. Alors pour l'instant ça commence à un lead plutôt acceptable du côté de Bobby. Rien de trop incroyable là, joli petit tech chase au side B. Le fer qui vient catch Sonic dans les airs, c'est bien vu. Le fer qui vient à nouveau le catch. Là il a du mal. Ouh, le nerf qui bat, et le nerf de NES qui a ces petites hitbox psychiques là qui sont disjoint. En vrai c'est drôle de se dire que NES te tape à la force de ton mental, tu vois. Genre il met de la puissance. t'abuses, Sonic il est plutôt cool. Sonic il est cool, tu vois. Sonic ça va, tu vois. Par contre NES c'est sûr là. Là c'est que ça pile négatif du côté de NES. Hein. Voyons donc le petit nerf. Et là, Kingdo qui galère à trouver l'opening à 0%. Ouh, dommage, le fodder qui n'est pas passé dans le down B de NES. Ah là, bien, là, il revient agressivement sur le stage. Et là, le fodder qui va call out son. Cet aerial depuis le ledge. Comment on voit un petit lead pour Bobby, mais rien d'irrattrapable. Sonic, ça gratte encore bien les pourcents. Le problème, c'est ce qui se passe après. Beau petit tech chase à la dash attack. Hop, notre Albus ça gratte quelques petits dégâts. C'est sympathique. La dash attack qui vient courir le ledge ici. Le B qui harcèle bien Sonic dans les airs. Et là, le up smash, pardon, chargé qui passe. Et là, un bon lead là pour Bozia. Là, c'est un vrai lead là. Ça va être rude en vrai à revenir pour l'ami Kingdo. Oula là, le Neutral B. Oula, le fou. Oh, fou, c'est de la folie de tenter ça avec Sonic, vraiment, hein, genre. C'est totalement beaucoup trop risqué. Et là, oulala, le piqué fire là. Ça fait beaucoup de dégâts. Là, ça va être compliqué là. Bozia qui semble avoir le contrôle dans cette game. La tentative de F-Smash, c'était intéressant. Fodder, le petit backer de NES qui passe bien. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, le retour du Magnet Stall Backer, c'était sympathique ça. Et le nerf qui va tuer. Ah bah bien joué à Bozia, 1-0. On rappelle que c'est à BO5, donc c'est loin d'être fini. Voyons donc. Alors voyons donc le retour du même match-up, Kingdo qui trust son perso. Le retour du même stage d'ailleurs. Petit F-tilt. Hop, le APR de Sony qui connecte en entier. C'est incroyable. Side B. Hop, le Tral B en reverse, c'était plutôt sympathique. Là, un petit lead sympathique en ce début de game pour Kingdo.
Ça va être compliqué. Tout de même. Avec Sonic, je pense de l'emporter sur NES. Ça a l'air vraiment du genre de perso casse-couille bon, pour ce Sonic. Bon, c'est casse-couille tout court, NES, mais. mais vraiment. Je vois bien une certaine difficulté pour, du côté de, pour Sonic de gérer ça. Mais d'un seul coup, là, le Noodle Arm qui vient outrange le backer de Bozia. Bozia qui a été un petit peu trop hâtif. Qui a grid. Hop, la shop qui ne passe pas. Et là, mine de rien, Kikdo est plutôt bien. Oh, bon sang, j'arrête pas de bailler. Oh, bon sang. Qu'est-ce que j'ai. Pourtant, j'ai bien dormi aujourd'hui. Hein. Hop, side bin to backer. Classique avec Sony. Oh, ça passe bien le petit backer là. Le fer de Sony qui rentre. Oh, le petit fodder de NES, là ça vient interrompre. Et mine de rien, la King 2 qui est déjà assez haut pourcent. Dommage, Buzzy avait compris un retour sur le stage de la part de King 2, mais il n'a pas su catch proprement le spindage. Là, King 2 commence à bourrer les backers. Alors regardez, il fait que ça. 3, 4, 4 backers ces derniers temps. Hop, petit back throw. Ok, il tente. Alors regardez, ah, il tente vraiment. Là, il tente le tout pour le tout. Là. Ah là, King Do, là on sent il tente tout. Oh, c'était vraiment pas mal comme petit setup, c'était mignon. Et le backer qui vient toucher Ness dans les airs, c'est bien vu. Voyons ce que l'ami Bozia va avoir à faire. Le petit upper, ça passe pas. Back throw, c'est passé. Le nerf, ça passe bien sur le bouclier là, ça met une petite pression. Bon, toujours une stock d'avance du côté de Kingdo, c'est bien. C'est bien pour lui. C'est une situation que l'on peut qualifier de confortable. Alors, oh, le petit fer, deux fer. Pas plus, hein, Sonic, ça fait pas trop combo. Alors voyons l'ami Kingdo, que va-t-il faire? C'est bien vu. Le Sidebeat Ness qui gratte pas mal de dégâts. Et là ce match qui va quand même, qui se déroule assez lentement, hein, mine de rien. Ça prend pas trop de risques, ça dash pas mal autour. Ça, voilà. Deux persos en vrai qui sont pas particulièrement explosifs en soi. Ness peut l'être, mais. Bozia plus hein, une façon de jouer tout en contrôle, tout en tranquillité. Voyons donc. Oh, le up smash, c'est bien vu ça. Il call out cet atterrissage de Bozia. Bozia qui ne respecte pas assez Kikdo et atterrit sur lui. Ah, le noodle arm qui était proche de toucher. Honnêtement, j'aurais cru que ça allait toucher. Et bim, le noodle arm qui l'emporte. Le F smash de Sonic. Et un bel deuxième game de la part de Kingdo ici qui semble bien s'être adapté. Ça lui permettra de d'égaliser au score. Voyons donc ce qui va se produire. Et oui, pendant ce temps, tentative d'imitation de l'horrible voix française de Sonic. Et retour de PS2, ah, vraiment rien ne change dans cette game, hein. Pas de counter pick, que ce soit en termes de stage ou de personnage. C'est bien dommage. Nair, ça passe bien. Non, le jump qui ne rentre pas ici. Hop, ça bourre un peu les nerfs du côté de Bozia, mais ça marche. Hop, le big vient toucher, il follow up avec un petit faux d'air. Hop, quelques pourcents qui sont trouvés par-ci par-là de parking d'eau, mais là il semble réellement subir sur ce match, vraiment. Alors là on sent que c'est Bozia qui mène la danse, mais là Kingdo essaie un petit peu justement de venir contester cela. Il n'est pas d'accord évidemment. Il n'a pas envie de perdre, surprise. Ah, le S-Flash par contre là c'était vraiment pas un bon spot pour le faire, c'était. Ça se fait évidemment punir par la back throw de Ness qui viendra emporter sa première stock. Erreur de Kingdo clairement ici.
Le nerf, ça passe à nouveau. Un petit backer, j'aime bien. Alors, voyons. Ah, le F-tilt, ça passe bien aussi, ça, c'est pas mal. Et là, le nœud de l'arme qui va tellement loin. Là, Bozia qui lui-même n'en revient pas. Oh mon dieu, quel perso incroyablement pété. MDR, ça peut du tout baisser Sonic, vous inquiétez pas. Hop, faire, ça c'est un bon truc du côté de Sonic, ça paraît assez bien douillé. Et Rodeb la douille, c'est beau le cheese. C'est vrai que là, pour le coup, Kikdo, il est pas passé loin. Hein. Un piqué fire, ça fait ultra mal. Alors, honnêtement, je pense pas, Zen, ça prolonge jouer, mais il y a vraiment moyen que le F-Smash de Sonic lui reach s'il n'avait rien fait, tu vois. Genre vraiment, le F-Smash de Sonic va anormalement loin, genre, c'est un cartoon, tu vois, son F-Smash, c'est vraiment genre, dans les cartoons, là, quand ils allongent leur banc pour aller choper un truc, là, voilà, ça c'est Sonic. Il fait ça, tu vois, il allonge son bras pour choper ta stock. Putain, ça a presque tué offstage là. Et non, il ne reviendra pas à ça. C'est un gimp. Un petit retournement de la game de la part de Kingdo. Là c'est... on est sur une game bien tendue. Oula, non. Oula, la sainte recovery de Sonic. Voilà. Sonic qui remonte toujours. Hein. Sa reco n'est peut-être. N'est peut-être plus aussi invincible qu'avant, mais alors en termes de distance, c'est incroyable. Hein, c'est révoltant. Hein, les petits dash dans tous les sens, on dash tranquillou. La back throw. Est-ce que ça tente à tech chase? Non. On revient avec le tralbé et ça. Wow, son shield il s'est fait bouffer là. Là, Sonic il a graillé le shield de Ness, c'était sympathique. Là, à nouveau là. Vraiment Bossia qui n'a pas de shield. Et là, la technique du noodle arm. Cette fois-ci, le side B qui a été bien. Bien utilisé, bien space, il ne s'est pas pris le point de Sonic. Hein, petite dash attack. Short up d'un air, c'était étrange comme option de ledge trap. Et là, ouais, pourcentage, si tu veux, et là, non. Oh, mais c'était pas mal. Ah, c'était smart. Oh non. Oh, c'est presque passé, c'est dommage. Dommage, Bozia a foiré. C'était un kill ici. Oh, c'était tout couillu de tenter de rentrer un back air dans quelqu'un de coincé dans le side B en vrai, genre. Je suppose que ça peut être true à une certaine range, mais alors là, et là vraiment là c'est cette fin de game ultra tendue, Kingdo qui ne semble plus arriver à sortir du désavantage. Là on est sur un retour sur un semblant de neutral, mais là l'écart de pourcent n'aide pas trop Sonic. Là voilà, Kingdo il veut clairement rentrer dans attaque smash. Et là, waouh, oh là là, ce timing, oh là là là, mais regardez, mais Bozia, mais quel magicien. Il a littéralement battu le neutral B avec la shop. C'était étonnant. Zen, tu peux clip ça, s'il te plaît? Alors, Zen, dis-moi que t'as clippé. Par pitié. C'était tellement improbable, cette interaction. Et du coup, le BO5, il continue. Hein, full Sonic NES sur PS2, apparemment. Là, ils ont pris un abonnement. Hein. Ils ont pris un abonnement à PS2, comme ça. Il y a réservé sa chambre d'hôtel pour ce soir. Il va y dormir. Et en fait, ils se battent pour savoir qui va avoir le lit du haut. Shivering inside. Alors voyons. Oh oui, le ledge guard au spring, c'est beau ça. Et bim, le noodle arm. Et bim, on défonce la gueule au petit Ness. Allez hop, on tabasse les gosses. Hop là, voilà, side B. Voilà, là c'est là c'est la machine à laver avec Sonic. Là c'est le moment où Sonic est. Et vu il faut faire gaffe car c'est vite un side B tout faire. Puis derrière t'atterris, tu te reprends un side B, un fer, machin, ça va vite. Excellent, merci Zen. Voilà, Zen qui assure.
D'ailleurs, nous pourrons remarquer l'absence regrettable de FR Cataclysme ce soir. Dommage qu'il n'est pas là. Non, il n'est pas là, justement. Je parlais du fait que pour une fois, il n'était pas là. Il aurait pu insulter le jeu avec moi. Ah là là. Ah là, je pense qu'il faudrait lui dire... Volt, tu manques à Ben 20, il aurait bien voulu que tu sois là pour insulter le jeu avec lui. Forward throw, forward air, intéressant. Je me demande si c'était, ça marche ça, genre si c'est un vrai setup, forward throw faire, ou c'est juste un petit truc comme ça qui est passé. Parce que ça marchait, et mine de rien, pour ce temps, Kingdo qui s'est créé un putain de lead, vraiment les... C'est marrant en fait, il y a une game sur deux, Bozy amène la danse, et une game sur deux, Kingdo l'amène, même si la game 3 était vraiment serrée. Refaire, refaire, le petit neutral B. Kingdo qui ne se laissera pas faire, il ne rendra pas la tâche simple à Bozy. Hop, petit air dodge directionnel. Le back air, le back air de Sonic, c'était bien vu. Et le spring, c'était bien tenté. Son BO aurait rencontré le spring, Bozia serait mort car le BO de Ness va moins loin lorsqu'il touche quelque chose. Hop, le back air, c'est bien vu. Il continue, il garde avantage. Dommage, la dash attack, c'était un petit peu hâtif. Ah, le up smash, c'était ma foi un pifage, on peut le dire clairement ici. Hein. Ah, c'était vraiment en mode, bon, allez, il va sauter peut-être. Hein. Allez. Hein, non, voyons, non, il est 69.0%. Heureusement qu'il a été touché, car sinon ça aurait pu être dévastateur. Le noodle arm qui essaye vol block. Et voilà, spot dodge to down smash, c'était bien vu. Deux partout. Ah, vraiment, les games. Du coup, au vu de comment ça s'est passé, évidemment. Donc, allons-nous peut-être enfin voir un changement de stage ou de personnage, ou pas du tout, les connaissants. Zen, si je gagne, c'est pour toi, bébé. Ah là là, Ben 20, quel homme. Là, vas-y, Bobby. Non. Allez, Kingdo. Moi, je veux voir Kingdo. Kingdo. Je veux mon RM en vie. Ah, voyons. Side B. Faire. Oula, ça va être compliqué pour revenir la NES. Ah non, Bozia qui avait intelligemment gardé son double saut. Bozia qui s'est montré patient, désavantage, c'était bien vu. Hop là, le side B qui se charge full pour cross up le shield. Hop, side B tout net, tout neutral B, petit combo classique, la back throw qui gratte quelques bons pourcentages. Là, Bozia qui veut clairement le stage control. On remarque d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'il a réussi à emporter les games. C'est là d'où venait la plupart de son dégât, c'est quand il se mettait l'un et l'autre off stage. C'est vraiment sur ce BO, c'est vraiment celui qui a le stage control l'emporte vraiment sur l'autre. Ça se joue vraiment à ça pour le coup ici. Des fois ça se joue sur d'autres facteurs, mais ici c'est vraiment ça le facteur. D'ailleurs on le voit, il se débrouille vraiment pour absolument camper en position. Regardez là, il se défendent au milieu du stage tous les deux. Là ils essaient de trouver, voilà, ils essaient de grappiller un petit peu de terrain, regardez. Voilà, c'est vraiment ça, on le voit. À chaque hit ils grappillent une portion de terrain supplémentaire. C'est Command & Conquer version Smash. Ce jeu que personne dans le chat n'a joué, most likely. Le back air, c'était bien vu. Oh, c'est bien vu. Hop, le fer. Oh, la dash attack. Oh, ça tente les fers là. Ah là, Kingdo, il veut le choper. Il veut le tuer, on peut le dire. Le back air, c'est bien vu. La back throw, ça devrait tuer, exactement. Un lead sympathique pour Kingdo de 90% à peu près. Un petit peu, 87 pour être précis. Hop, le back air, en server spot qui fait pas beaucoup de dégâts. Là, Kingdo qui vraiment aime bien faire ce petit trick là. BO, il rare dodge dedans, puis il redescend avec une attaque aérienne. C'est plutôt mignon, disons que c'est. Ça confusionne, on va dire, voilà. Hop, bien vu. La homing attack qui va vraiment loin. L'aide dodge directionnel de Ness qui fait 3 km de long. Il est. Oh là 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 là!
Bobby qui a posé ses couilles sur la table. Genre, il a fait chier. Oh là, c'était beau ça. Ça, c'était du ride. Oh, ouh, le neutral B qui connecte à cette distance. Là, oh là 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 là. Là là, Bozia qui s'est emmêlé les pinceaux. Allez, on Bozia, calme-toi. Ça là, c'est pas le moment de paniquer. Pas le moment d'avoir. Là, même si t'as les mains moites, essaie d'être précis. Hein, c'est dur à ce moment-là hein, de l'être. C'est vraiment tendu. C'est tendu comme un string, on peut le dire. Ah, le petit Tech Chase Society qui ne passe pas cette fois-ci. Kingdo qui a pris, il roll away. Mais là, le petit Piqué Fire en secret qui vient gratter pas mal de pourcent. Ah, la back throw. Ah, là, il veut sa chope. Là, Bozia, il a envie de grab. Ça se voit. Zen, pour toi, j'ai gagné tous mes matchs sur de la J-pop. Go écouter Daichi Miura maintenant, mon gars. J'adore les interruptions de Lies. Voilà. Sacré Med 20. Oh, 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 oh. Ça va être... Oh, bel air dodge. Attention. Ah là, cette fois-ci, ça passe. Et bravo à Bozia qui l'emporte 3-2. Ah, vraiment. Bravo à Bozia. C'était très beau ce.